Jour J. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui qu'on part. Alors avec le Covid, on nous a mis dans un champ, un peu fête populaire, fête de village. Des sas, trois sas. Et puis ils ouvrent les portes, ils nous amènent au départ sur la base de l'église. Et bah, évidemment, je vais vous montrer ça. Un petit peu partout. Je vais pas filmer le départ. Voilà, quelques minutes encore. Alors, c'est dans le deuxième sas sur trois sas. Cool. Restez bien avec nous. Les élites sont parties déjà. Y estamos con el segundo grupo de grandes corredores que van a salir. Attention, ça va mouiller. Oh, ben, c'est la deuxième vague. Ouais, j'ai pas filmé, déjà parce qu'il y a trop de bruit, et puis je vais profiter du départ pour moi tout seul. De toute façon, j'en ai fait deux des départs, vous pouvez aller voir sur les vidéos, on fait le même départ. Je retrouve un pote coureur, un youtubeur aussi du mitrail. Salut Vince. Salut tout le monde. On est 12 000 au départ, non 15 000. Ouais. Et sur la ligne droite en sortant de Cham, sans trop, c'est cool. Excellent, même état d'esprit. Bon bah bonne course hein. Merci Vince, à toi. Allez voir sa chaîne. Merci. Je vais te faire un lien si j'ai envie. Allez, c'est parti. Par exemple, Chamonix court près de 10 bornes, 8 km sur un flopas descendant avec des petites remontées comme là. Nous, on est parti à 14 à l'heure. C'est lui. Je sais pas qui c'est. Et moi, je pense que c'est pas une bonne idée de partir à 14 à l'heure. On arrive aux Ouches. Et on monte là-bas. Ça toi, ouais, ciao. La même chose, Vincent. Salut. Regarde le sourire, Vincent. Allez. Merci. Peut-être faire la gueule dans son board, c'est possible. Il y a quand même une bonne ambiance. Hein. Ça, c'est cool. Les Ouches. Attaque dans la première montée. Première montée. Le deux est vrai. Je sais pas combien, quelques centaines de mètres de déplus. C'est bien, les gars. Ouais. Il y a une ambiance incroyable. Ah, j'avais oublié, c'est vraiment génial. On arrive au col, col de Vosa. On descend sur Saint-Gervais, et là, à gauche, la vallée de Chamonix. Après le col de Vosges, il y a deux lévrés. Un alpage, avec peut-être 2 km de plat, comme ça, c'est super beau. Salut Vincent. Salut. Je pars doucement. C'est long, et il faut mieux en garder dès le début. Descente sur Saint-Gervais, c'est une piste de ski assez pentue, plutôt pentue. On est bien là, non ? Hein, ça va ? Ah ouais, très bien, pour l'instant. On part pour la nuit, on attend la petite soupe à Saint-Gervais. Ouais, ah ouais, pieux au chapieux. Pieux au chapieux, avec la doudoune. Ouais. Bah, bonne course. Ouais, moi aussi, je vais être sur la vidéo de Vincent Gaulle. Toi aussi, tu vas être sur la vidéo. Moi aussi, je vais être sur la vidéo.
Saint-Gervais. On entre dans Saint-Gervais et les autres sortent du ravito. Merci. Il y a quand même une sacrée ambiance. Hein. Franchement, j'ai l'impression de gagner la course. Je connais pas beaucoup de courses comme ça. On vient de sortir du ravito, je viens de sortir du ravito. Il y a 22 km, 3 heures, pile 3 heures. Voilà, on va rentrer dans la nuit. Étape de la course, une partie de la course que j'aime beaucoup. J'aime la frontale. Et je vais sans doute aussi beaucoup moins filmer. Et puis profiter de ça. Donc voilà, c'était la première partie de l'UTMB. On va attaquer ensuite les Contamines, Notre-Dame de la Balme, longue montée du col du Bonhomme, les Chapieux, le col de la Seigne, le lac Combal, et peut-être que le soleil se lèvera à ce moment-là. Il fait doux, il fait température agréable, mais il nous a quand même dit de prendre le kit grand froid, C'est une polaire en fait, en plus de ce qui est obligatoire. Là il va sans doute faire moins de zéro avec beaucoup de vent. C'est marrant d'ailleurs, en hauteur il fait froid, d'altitude. Il fait froid, pourquoi il ferait pas chaud en altitude? Parce que la chaleur elle monte normalement. Du coup c'est pourquoi il fait froid en haut et chaud en bas, alors que normalement, dans une maison par exemple, c'est l'inverse. J'enlève les copies dans les commentaires. Bon, je fais une petite pause. La raison la principale à tout ça, c'est la pression atmosphérique. Il y a une loi en physique qui s'appelle la loi des gaz parfaits qui dit que lorsqu'on augmente la pression d'un gaz, sa température augmente. Et à l'inverse, lorsque la pression d'un gaz diminue, sa température diminue. C'est ce qui se passe en fait sur Terre avec l'atmosphère qui pèse sur elle-même. Au niveau de la mer, la pression elle est définie, elle est celle qu'on connaît. Puis en altitude, plus on monte, moins il y a d'atmosphère qui pèse dessus et plus la pression baisse. Et selon cette loi, tout simplement, en fait, que l'air un petit peu au-dessus perd en pression, et bien elle perd en température aussi. Mais il y a aussi un autre paramètre qui joue. Dans une pièce par exemple, lorsque la pression est égale partout, il n'y a pas de différence de pression dans une maison, il y a un paramètre qui joue là-dessus, c'est la température de l'air. L'air froid est plus lourd, plus dense que l'air chaud, et par gravité tout simplement, l'air froid va glisser, couler au fond jusqu'à la cave, et laisser la place à l'air chaud en haut, sous le toit. Voilà, c'est une petite parenthèse qui explique assez simplement pourquoi l'air dans un endroit réduit, l'air froid descend, alors qu'au niveau de la planète, au niveau de l'atmosphère, en altitude, il fait plus froid parce que la pression est plus faible. Allez, ciao, à tout à l'heure. On arrive aux Contamines. Je sais parce que juste avant le ravito, il y a un petit mur qui fait 20 des plus. Et c'est celui-là. Bon, je vais pas filmer hein, parce que cette partie entre Saint-Gervais et Contamines, c'est pas terrible. Enfin, c'est sympa, mais c'est aussi le début de la nuit. Switch de mode. Et bon. Salut. On est toujours là, moi j'attends la soupe, hein. Ça va bon. La soupe. Ouais. Faut pas oublier de manger, hein. C'est important de manger. Ah, surtout maintenant. J'entends du ravito, j'entends. En tête, François Den et Jim Wamsley, ils viennent d'arriver au Chapieu. C'est-à-dire en fait ils ont un col d'avance, c'est monstrueux. Notre-Dame de la Gorge. Et là, on attaque la montée, direction Col du Bonhomme. Ouais.
attaque direct dans le dans la pente. Il y a des grandes dalles de roches là. Ouais, comme je disais, c'est vraiment le l'entrée dans la montagne ici. On part pour je sais plus quelle heure il est, j'ai plus de 5 heures, je crois que j'ai 5 heures de course. On attaque pour ouais, une nuit en montagne en fait. 35 km et 5h15. Ah, vite de la balme. Il y a des robinets ici, une boîte à tête. Montée du col du bonhomme. J'ai rajouté les couches là. Capuche, bonnet. Il fait bien froid. Et au col, normalement, il y a beaucoup de vent donc. C'est une longue montée. Il y a différents paliers, il y a des replats par endroits. Bon, ça se passe bien, hein. Ça se fait bien normalement. Moi, ça va, je sens assez bien, c'est positif. Alors, j'ai l'impression que je me laisse un peu emballer aussi, mais bon, on va voir. Col du bonhomme. 2329 mètres. Allez, c'est bien, bonsoir. Bravo, allez. Merci. Alors pas le col du bonhomme, c'est pas fini, il y a... faut aller jusqu'au croix du bonhomme, il y a un balcon qu'on voit là-bas au loin. Il y en a pour un petit moment encore, hein. Peut-être 40 minutes. Voilà, on arrive à la croix du bonhomme. Il y a le refuge du bonhomme juste en dessous. Salut. T'es qui? Je ne connais pas. Tu connais pas? Ouais, mais tu. On a échangé sur Twitter, je connais un peu Humba, je l'ai rencontré tout à l'heure. Ouais. On est en train de manger. Ouais. Ouais, ça va? Nickel. Descendre vers le Chapieux. Très sympa. Putain, j'avais le travers. Très sympa cette descente. Un petit peu humide par endroit, mais. Ça alterne des sections pentues et puis sentiers gentils de randonnée. Ravito des Chapieux. Alors un petit conseil quand même dans cette descente. En fait c'est la première vraie descente par celle qui descend sur Saint-Gervais. Allez-y mollo, parce qu'il y a je sais plus combien de dénives descendants, mais elle est assez roulante et peut vite s'enflammer. Et voilà, on n'est pas arrivé quoi. Pensez éteindre vos lumières. Bonsoir. Bonsoir. Sans transition, le lac Combal. J'ai pas filmé du tout depuis. Les Chapieux, j'étais très fatigué, j'avais envie de dormir, c'était l'horreur. J'avais super froid en plus, il faisait froid aux mains, j'ai pas sorti l'appareil, j'avais pas le courage. Voilà, première nuit se termine. Tiens, il y a un caméraman qui me filme. Hein? Ouais. Bonjour. J'étais fatigué. Tout à l'heure j'étais fatigué. Tu fatigué? Ouais. Mais c'est fini ça. C'est jour. C'est cyclique, les fatigues. Ouais. Il fait fatigue, pas fatigue. Ouais, ça va un peu mieux, le soleil se lève. Ouais, ce col de la Seine, c'est... J'ai passé deux fois déjà et je crois que c'était le plus dur aujourd'hui. Enfin, cette nuit. La Combal, c'est le plus bel endroit du TMB. Un, parce que c'est beau, deux, parce que c'est le lever du jour pour les coureurs moyens comme moi. On revit.
Ravito du lac Combal. Avec le groupe électrogène. C'est le Mont Blanc. Arrête du Mont Favre. Bonjour. Bonjour. C'est pas beau ici? Bon. Voilà, base vide Courmayeur. D'Olonne précisément. Récupère un drop bag. Donc récupère un drop bag. Drop bag. C'est très bien rangé par numéro de dossard. Voilà la base vie. Des tables, des sacs, des couverts qui changent ou qui mangent. Et le ravito est là-bas. Bon, je suis sorti de la base de vie. Je suis resté longtemps, au moins une heure, voire une heure et demie, je sais pas exactement. J'étais fatigué, je suis fatigué en fait. Il fait très froid cette nuit et je crois que ça m'a tapé sur le sur l'organisme. Et... du coup, bah, je suis complètement changé, j'ai bien mangé. Là, je suis un peu froid, j'ai un peu de mal à repartir, mais... allez hop, retour à Chamonix. Putain, j'en suis quand même là. Je crois que ça servait à rien que je m'arrête une heure. Là. Oh là là. On va à Bertone. Bertone, il y a 1000 et plus. Et mais la vue est belle là-haut. Ah, j'ai pas été très drôle, je crois, aujourd'hui. Cardio à 122, je sais pas si vous voyez ce que ça fait. Je peux pas monter plus que 120. C'est vraiment pété hein, l'organisme. Refuge Burton, ravito. Je viens de passer. C'était horrible, j'ai seulement pas dû. Mais bon là. Bon, la vue est top, hein. Mont Blanc côté italien. Là. Bon, celui-là, il me s'écaille, j'ai dû mettre la veste. Par exemple, là, je suis avec des potes. Des potes comme moi qui ont mal aux jambes. C'est ça un peu, non? Bah, il y a un fessier qui est mort, ouais. Oui, bon, toi, t'as une jambe cassée, c'est pas pareil. Bah alors c'est quoi tes pronostics pour toi aujourd'hui? De quoi? Bah tu vois la course des comment? La course de... J-16, c'est ça? Tu penses à faire un quel temps après, tu... Bah là, je sais pas trop, je vise plutôt proche des barrières horaires, tu vois? Ouais. Un peu l'idée. Clibar, clibar. Meilleur confort du trailer. Là-bas, on voit les pyramides calcaires, le col où on était cette nuit. Là. Et juste au-dessus. Enfin, juste au-dessus. Cardio à 100, 118. Je peux pas aller plus vite. Je sais que je sature, je peux pas aller plus vite que 118, 120 max. Pas accéléré, je peux rien. J'ai pas essoufflé, j'ai pas vraiment mal aux jambes, mais. C'est quoi, qu'est-ce que j'ai, docteur? C'est comme si j'avais aucune force, j'ai aucune force en fait. Voilà. Bientôt
Bientôt Bonatti là-haut. Je prends dodo. Cette nuit, dans la montée du col de la Seigne, j'ai eu envie de dormir en fait. C'est la première fois que ça m'arrive aussitôt, enfin, bon, on peut dire aussitôt sur une course. J'avais vraiment envie de dormir. Peut-être que je suis pas. Peut-être que je suis fatigué en fait. Je suis arrivé sur la course fatigué, je sais pas. Non, je me suis arrêté. 20 minutes, 30 minutes à Bonatti. C'est pire, j'ai froid. Ils ont tous en t-shirt là, les gars. J'ai froid, c'est pire que tout à l'heure. Ça m'intéresse pas en fait. J'ai dit, bon, je sais même plus quoi en descente. Pas d'intérêt. Faire 70 bornes ou 80 bornes en marchant. En fait, je crois que je me suis persuadé qu'il fallait que je refasse UTMB. C'est arrivé à tout le monde. Mais il n'y a pas d'enjeu pour moi, j'ai déjà fini. Et puis, il suffit que je demande un dossard et on me le donne. Alors, plaisir associé, l'enjeu, tout ça. Je crois que j'ai arrêté de faire courir les courses plus connues. Sauf la première fois, parce que faut la faire une fois, c'est cool. Hein. Mais enchaîner cette course, c'est difficile. Je connais les paysages, je sais pas en chier. Ça sert à plaisir, c'est pas la peine. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de refaire le même. Parce que je connais. Tu vas arrêter à nouveau. Mais non. Ça m'intéresse pas. Mais non. Ça m'intéresse plus en fait. Il y a un vent de gueux, c'est pour se pêler toute la nuit là-haut. C'est ça qui va flinguer en fait. Ouais, c'est j'arrête à Arnouva. Mais non! Finalement, j'ai essayé de prolonger, moi pour voir s'il y avait le côté, mais même si je sais à quoi ça ressemble, on sait jamais, on peut changer d'avis finalement. Je me sens pas du tout très bien en fait dans les montées, j'ai beaucoup de mal à suivre, même les gens avec qui je suis reparti là, quasiment sur la barrière horaire, c'est un peu révélateur quand même. Ça m'embête parce que vous avez dû voir, j'ai fait pas mal de prépa, une bonne prépa, donc je suis un peu vexé de. Le résultat qui est assez nul en fait. Je soupçonne aussi mauvaise gestion du froid, col de la Seigne. Mais non, j'ai du mal à monter, j'ai vraiment beaucoup de mal à monter et même aussi du mal à courir en descente. Donc on va voir ce que ça donne. Bon, au moins jusqu'à Fouly ou Champais, on verra. J'ai l'habitude d'arrêter à Champais. Voilà, on vient de manger en col ferré. On le voit là-bas, dans l'ombre, là-bas, dans la brume. Et c'est en trois étapes, cette montée. D'Arnouva, ça part du Redard, mais un peu des bouis-bouis là-bas. Et des bouis-bouis au début. Une zone très plate, puis un Redard qui va faire 300 D+, puis la fin, comme je vous ai montré, là, qui est un petit balcon tout gentil. C'est pas le col du tout, c'est pas du tout le col le plus dur de la course. A priori, il devrait y avoir moins de vent de ce côté, mais j'ai un doute. Maintenant, c'est une descente très roulante quand on peut courir.
jusqu'à un petit lieu dit qui s'appelle la Peule, où il y a parfois de l'eau. D'ailleurs, j'ai fait le plein, mais j'ai soif. Puis ensuite, encore, je ne sais plus, on doit distance, 15, peut-être 15 km là, jusqu'à... Allez, Guillaume! Bravo, Guillaume! Super, Guillaume, bravo! Allez. Bravo! Super, bravo! Merci. Et voilà, je me suis arrêté à la folie. J'arrivais pas à suivre, j'arrivais pas à... Je trottinais à peine en descente. Alors que c'est mon truc d'habitude. Je ne voyais pas finir en marchant. Bravo! Finir en marchant alors que voilà, je voulais faire une belle course et puis... finir pour finir, c'est pas toujours ce qu'il faut faire en fait. Bravo Renaud! Merci. J'ai vachement de plaisir à voir les mecs qui finissent. Vraiment, vraiment top. Bon, je ferai un petit débrief posément plus tard. Plein de choses qui passent par la tête, mais... Bravo! J'ai dit pas mal de choses pendant la course. Je sais pas, j'ai fait un... Je crois que le débrief va être assez rapide. L'UTMB, c'est la plus grande course de trail au monde. C'est un rêve pour pas mal de coureurs. C'est un rêve pour les élites. Je conseille à tout le monde, à tous les gens qui ont la possibilité de le faire, qui ont le temps pour le faire, de se préparer pour ça et de tenter l'aventure. C'est incroyable. Vous avez vu l'ambiance au départ, au ravito. Et ce que les gens en disent après. Moi j'avais déjà fini. Cette année je voulais faire mieux, je voulais faire une belle course, être content de moi, faire un peu plus que juste finir. J'étais bien préparé pour ça, ça fait 2 mois que je suis en montagne. Et ça s'est pas passé comme je voulais. D'autres auraient poussé, seraient allés au bout pour finir parce que il faut finir un ultra trail. Moi j'ai décidé autrement. Disons que mon esprit a décidé autrement, je ne suis pas allé au bout pour la raison que j'ai évoquée. Ou peut-être parce que, en fait, ou peut-être finalement j'ai invoqué ces raisons une fois sur le terrain, où j'ai pas eu le courage ou la volonté d'aller au bout. J'aime trop aussi le discours est construit avant ou après les faits, en fait. Voilà. Je suis déçu parce que j'avais mis beaucoup d'efforts pour revenir une nouvelle fois sur cette course. Je suis pas déçu d'avoir arrêté, c'est une décision que j'ai mûrissement prise. Donc voilà, allez, je vous laisse sur cette fin, un petit peu en queue de poisson peut-être, on verra la prochaine fois. À plus tard, ciao.